C'est tout. As much as I would love to go on in French, unfortunately, old age has caught up with me and I have forgotten all the French I learned in my youth. But it's a pleasure to be with you here today. And let me first of all start by congratulating each and every one of you and welcoming you to the TEF UNDP Mali Entrepreneurship Program. Congratulations on completing the application form. Many actually started this application form and didn't complete it. So well done on finishing what you started. Indeed, this characteristic, this trait of finishing what you started is perhaps the most important trait an entrepreneur can have. It is actually the difference between a wantrepreneur, that is somebody who just wants to be an entrepreneur, and a real entrepreneur. The resilience and grit that it takes to keep at something until you complete it, until you finish it, is what it really takes to be an entrepreneur. Because that resilience and grit will always result in success. As long as you never give up, success is sure. So if there's nothing else you take away today, please take this away. Always finish what you start. Don't give up, keep at it, and success will come. And so with that, I just want to tell you a little bit about the foundation. The Tony Elimelu Foundation was founded in 2010. In 2015, we began this entrepreneurship program, which is one of the largest private sector-led entrepreneurship programs on the African continent. Last year, we partnered with UNDP because great minds think alike. And both UNDP and the Tony Elimelu Foundation are committed to driving entrepreneurship development across the continent as the one sure way of tackling the root causes of many of the problems in our continent, which is poverty. And so through the course of the foundation's entrepreneurship program, we have received 807,000 applications. We have funded 9,038. So you must be very proud to be one of those who have been chosen to embark on the training program. You will receive a world-class business training program that will equip you for success, that will give you knowledge that you're not taught in schools. So in terms of what we expect from you, both TEF and UNDP, we expect that you finish the training. We expect that you leverage and make use of your peer-to-peer mentoring sessions. We expect that you complete all your MCQs at the end of the training session, and that you really absorb the learning. Because once you're able to do that, half the journey has already been accomplished. So out of those who have been trained, who are being trained, the top performers will be selected to go through the pitching competition. Now, if you are selected to go through the pitching competition, again, you must begin to prepare and make sure that you have incorporated your business, your business, and ensure that all the legal and regulatory requirements have been met. At the pitching competition, you will have an opportunity to speak direct to your audience, to the judges, to all of Africa, and tell them about your business ideas. Enjoy the journey, enjoy the ride. We're here to support you. We're here to make sure that you succeed. Let me end with a quote from our founder, Mr. Tony Elimelu. He says, and I quote, "Your success means so much for Africa. You must succeed to lift us up. We will continue to encourage you. We will continue to support you. The future of Africa is in your hands." Thank you.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, chers entrepreneurs. Je suis Roland Foucault, votre facilitateur francophone. Nous venons d'écouter la directrice générale de la Fondation Tony Elumelu qui nous a fait son mot de bienvenue par rapport à cette aventure entrepreneuriale que nous allons suivre pendant 6 semaines. Donc, elle a souhaité à tout le monde bonne chance. Elle a souhaité que tout le monde soit suffisamment attentif et que vous devez suivre les audios, suivre les cours. Faites les devoirs qu'on va vous donner afin que les plus brillants parmi vous soient parmi les heureux élus d'ici la fin du programme. Donc, pour cette session, je vais vous accompagner en français et Badra vous accompagnera en Bambara. Elle a fini en disant que le fondateur, Tony Elumelu, a bien précisé que l'avenir de l'Afrique dépend de nous, les jeunes Africains. Donc, je passe la parole à Badra. Merci. Anikle Yangao. Adam Nenani, ne Badra Aliou Doumbia, TFO Mouroga représentant, ne me ka kuma bamanangana ouye. Adam Nenani, directrice ka kuma ye, kao ni tia ou ni baraji. Kao nane, kao y application mi ke ka nyena yere yere yere, donc kaba ou félicite ou kama. Donc o ukumu kono, koko barake ou ko sebeke, ou ko formation issue kanye. A quoi l'adjet, exercice minu ba kono, a quoi l'ouke. Donc, à la ban, avec ma kounteni, Tony Elumelu, le fondateur, au quoi fin, ko Afrique ka taganye, Farafina taganye, ko ba ambolo kono. Donc, ko bismillah, allez vu ko courage, ko courage ta, on y tchao yere. Ya, maintenant, Justina. Thank you so much, Badra. So I'll be calling on the UNDP the UNDP Empowerment Specialist, Pauline. Denebourg, to speak to us about what the sentiments around UNDP on this program is. Welcome, Pauline. Merci Justina, j'espère que vous pouvez bien m'entendre et me voir. Moi, je vais parler en français. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite à tous, chers entrepreneurs, la bienvenue dans ce grand programme d'entrepreneuriat qui a été très bien présenté pour les jeunes et avec les jeunes, surtout au Mali. Et moi aussi, au nom du Programme des Nations Unies pour le développement au Mali, je vous félicite toutes et tous pour votre engagement, l'engagement dont vous avez déjà fait preuve lors de votre candidature pour ce programme de formation. Et félicitations aussi pour votre sélection et votre introduction aujourd'hui dans ce programme qui va donc constituer, qui va être constitué d'une formation en ligne, d'un accompagnement, d'un mentorat et d'une formation de formateur dont on parlera un petit peu plus tard. Alors, je suis très honorée d'être avec vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce grand programme. Nous aussi, on est très, très enthousiastes au PNUD de faire partie, de joindre nos efforts avec la Fondation Tony Elumelu pour accompagner les jeunes dans le développement de leurs projets innovants, de leurs idées d'entreprise. En effet, pour le programme des Nations Unies pour le développement au Mali, mais partout dans le monde, l'autonomisation et la participation des jeunes dans tous les processus socio-économiques, politiques, les processus de transformation, c'est réellement une priorité pour nous. Et c'est d'ailleurs une priorité qui a été définie et rappelée dans notre nouvelle stratégie pour le PNUD en Afrique, qui va couvrir la période 2020-2024. Pour nous, 2020, c'est aussi une grande année, parce que c'est le cinquième anniversaire d'une résolution du Conseil de sécurité, qui est la résolution numéro 2250 dans le jargon, mais c'est une résolution qui est très importante, puisque en fait, c'est la résolution du Conseil de sécurité qui porte sur le rôle crucial que vous jouez, que jouent les jeunes dans les processus de paix et de sécurité dans le monde. Et donc pour nous, faire partie de ce programme d'entrepreneuriat avec la Fondation Tony Elumelu, c'était également symbolique pour marquer cet anniversaire et rappeler le rôle très important que jouent les jeunes dans ces processus-là au Mali, au Sahel, plus généralement, et également dans toute l'Afrique.
Au Mali en particulier, le PNUD, avec l'ensemble de ses partenaires du système des Nations Unies, a reconnu l'importance d'engager les jeunes dans ces processus de transformation politique, socio-économique du pays, avec une stratégie des Nations Unies pour la jeunesse qui a été développée cette année. Donc, grande année. Bien sûr, on n'ignore pas les défis multiples sécuritaires, socio-économiques auxquels vous faites face, auxquels font face les jeunes, hommes et femmes, et auxquels sont confrontés l'ensemble des générations en fait, au Mali, où on sait que près de 40% des jeunes sont au chômage. Et donc, il y a un manque assez criant d'opportunités d'insertion économique sur le marché de l'emploi. On sait aussi, bien sûr, que la crise liée à la pandémie du Covid-19 n'a pas épargné les jeunes, n'a épargné personne. Les jeunes au Mali, c'est plus de 60% de la population malienne, donc on est très conscient que les multiples défis auxquels faisait déjà face cette génération jeune ont été exacerbés avec cette crise liée à la pandémie qui a en fait touché tous les secteurs, qui a également touché le secteur climatique dont les jeunes subissent déjà les conséquences, le manque d'opportunités économiques, le manque d'emploi, les inégalités liées au genre, l'accès aux services de base tels que l'éducation, la santé, etc. Cependant, pour poursuivre sur une note plus positive, on a également constaté au PNUD, mais également avec l'ensemble de nos partenaires, que la crise liée à la COVID-19 a montré, une fois encore, que les jeunes, à travers leurs idées, à travers leur enthousiasme, leur dynamisme, leur volonté d'agir positivement pour leur communauté et leur pays, ces jeunes-là, ces jeunes que vous êtes, sont les pionniers du changement. Ils apportent des réponses efficaces aux crises, des solutions durables pour le développement et, à terme, pour une transformation positive au Mali. Et c'est la raison pour laquelle le PNUD au Mali a souhaité continuer son partenariat déjà fructueux avec la Fondation Tony Elumelu, capitaliser sur ce partenariat déjà existant et s'engager avec vous, chers jeunes, dans ce projet d'entrepreneuriat. Et pour le PNUD, comme pour vous, je l'espère, ce programme, c'est vraiment une opportunité unique pour vous permettre de faire mûrir vos idées d'entreprise, mais surtout aussi de les mettre à profit d'une transformation plus globale, plus structurelle et plus durable au Mali. Je voudrais juste rappeler qu'au PNUD, avec notre partenaire, ça a été vraiment des principes essentiels qui ont guidé en fait la définition de ce nouveau projet pilote pour le Mali. Nous avons tout mis en œuvre et nous mettrons tout en œuvre pour que ce projet soit un succès, et ce, à travers trois grands principes qui vont nous guider tout au long des différentes étapes dont vous allez faire partie. Le premier grand principe, c'est l'innovation. On est convaincu que c'est un projet qui va vous permettre, à vous, chers jeunes entrepreneurs, de faire entendre vos voix, de faire entendre vos idées et de faire entendre vos talents aussi. Et nous sommes convaincus que l'innovation, c'est le cœur d'un changement positif. Le deuxième grand principe qui nous a guidés et qui continuera de nous guider, c'est la durabilité. Au-delà de la formation et de l'accompagnement financier dont vous allez bénéficier, non seulement ce sont 3000 jeunes qui vont s'épanouir dans leur environnement de travail, mais à plus long terme, nous nous attendons également à ce que tous ces jeunes que vous êtes bénéficient des fruits de ce projet, mais aussi que vous puissiez encourager d'autres jeunes dans vos communautés ou dans vos domaines de compétences à travers la formation de formateurs, dont nous parlerons un petit peu plus tard, que vous puissiez encourager plus de jeunes à bénéficier des impacts positifs du projet. Et enfin, le dernier grand principe qui nous a accompagnés et qui nous accompagnera encore, c'est la diversité et l'inclusion, ça va ensemble. Aux Nations Unies, on a une approche qu'on appelle « ne laisser personne de côté », en anglais on dit « leave no one behind », peut-être ça vous est familier. Et donc, c'est en fait en lien avec ce principe-là, avec cette approche-là, que le PNUD et la Fondation Tony Elumelu vont multiplier les efforts pour veiller à une véritable inclusion, une participation des femmes, entrepreneurs également. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont déjà connectés aujourd'hui, et bienvenue. Et donc, on tient à ce que les femmes entrepreneurs participent à toutes les étapes du projet. On fera également en sorte qu'il y ait une représentation équitable de tous les domaines de compétences, de toutes les idées d'entreprise dans les différents secteurs professionnels. Et enfin, une représentativité, une diversité des différentes régions du Mali. Enfin, je voudrais juste réitérer
l'enthousiasme que le PNUD a de faire partie de cette initiative avec la Fondation Tony Elumelu. On est très confiants que ce sera un projet avec vous qui apportera des résultats fructueux. Je vous souhaite encore la bienvenue et surtout, je vous souhaite bonne chance. Merci. OK, merci. Nous. OK. Déjà, akilina ou bé kaban, mais ou bé ka faranga min kaka. Donc, ori kama ou yaouta. O kofè, min bé etouni, oye kaga proje ou. A glani te problemi, mais aka glan, aka seka men. Fou beka nafa sora la, et puis aka seka moko wero ta, min ou bé nafa sora la. Oya flan. Ko sabana, koye, pour que beka nafasro uté moko bon moko la demiseni musomani chema donc pour que lu beka nafasro or la wafo ko diversité et insertion wa demé aka nafasro et puis aka sika moko ro demé oluka nafasro ku dalé no lare u dalé no ni projet na et puis wa ke tuko bela pour que aka sika tanyé au peka se gan na fasora ani u kleme ka feno blast plan en place awa karamogo olube na odeme kasira o ira ola mi ma se mi be ola se fokuna parce que programme inflani foko kurajita awa du sutare na wi du suta abe se fokuna et puis abe nyebe bulo donc u kleme ka fen be bla en place pour que ka odeme aura se casser au yoro là donc tu nous dis responsable ko représentant ko alibi koko du suta amani na kore kalibi koko du suta et puis kani son jalen baro pour que ni programming a se katanya donc alibi koni chao yare Justina. Now it's for you. Justina, please, your mic is mute. Please, your mic is mute. Thank you so much, Foko. All right, so thank you very much, our CEO and our distinguished youth advisor from UNDP. We will just move straight on to the overview of the program, the training phase, the mentorship phase. So Foko and Badra would give you an overview with details on what is expected. Thank you.
OK, rebonjour, chers amis. Nous allons donc commencer à vous présenter le programme de cette année. Comme je vous l'ai dit, je suis Roland Foucault. Je vais co-présenter avec Badra, qui va traduire de temps en temps en Bambara. Donc, pour cette année, bienvenue dans le programme de Tony Elimelu, qui est à sa sixième année. Et vous êtes dans une vague malienne. Nous allons vous présenter un aperçu de tout le programme. Donc, c'est ce qu'on va partager ensemble pendant quelques temps. Donc, vous devez déjà savoir que, en fait, la Fondation Tony Elimelu s'associe au PNUD de Mali pour former 10 000 Maliens pendant 3 ans. Et ça va contribuer, en fait, au programme de COVID 2.0 du PNUD. Donc, le but ici est de vous fournir des formations afin que vous puissiez aussi, sur le terrain plus tard, partager cette formation avec d'autres entrepreneurs qui vont être identifiés et qui ne sont pas forcément proches du centre-ville. Donc, la méthodologie ici va être de conduire le programme afin de vous donner des outils qui vous seront utiles pour la descente sur le terrain. Donc, je laisse Badra faire le même récap en Bambara. Merci, Badra. Unisan jalen baro oni pnudiga ni barana tefu ni son jalen baro pnud mali ka bolo di nyoromaye tefu mali wasaka demela se kanyere ye demsenu lamam bata masanji sabakono nana donc san sabakono ni barayin bina ked demaye ba pnudi bolo ka fiye banani oye coronavirus ye ka ukumbe kada obeka atalikura ni yombina samwa bamwani bisawa noi 2030 ye ugumu kono pnudi mogo befe ka farafina deme ni bana kumbeli fien bana kumelila no covid-19 ye wasa kani la nyini sabati ye fu be kalani nyefolike ni karamogo jolo nye ni di ye minu sugandi ka nyefolike seben furola tigele ka kenyere ye ma sugandi lo undeme malini ona kerefe dugu barani kalan ke chogo besebetia karamogo jolun fe ani ka bara ke chogo nyuma iraula. Okay, foko. Okay, merci Badra. Merci Badra. Donc, on va un peu partager avec vous le déroulé du programme. Comme vous le savez, le programme a commencé depuis le mois d'octobre et puis il y a eu une phase où vous avez soumissionné en ligne pour pouvoir être retenu comme vous l'êtes maintenant. À la suite de cela, on va sélectionner 3000 dans une première revue. Et puis du 26 octobre au sein d'examen, on va procéder à la formation telle que nous sommes en train de faire. On va vous former à pouvoir faire le business plan. Cette formation prendra 6 semaines. Et ça sera sous forme de webinaire, de mentorat par échange et des groupes de mentoring. Tout ça, on verra les détails pour la suite. À partir du 18 décembre, on va procéder à la sélection et à la pré-génération de vos comptes bancaires et des outils. Et vous allez soumettre vos business plans. Du 8 décembre au 30 janvier, vos business plans vont être revus afin qu'on puisse sélectionner certains de vous à partir de certains des résultats. On va vous donner les détails tout à l'heure. À partir des résultats liés. OK. Donc, je continue. On va vous donner donc il y aura des résultats afin qu'on puisse vous passer à la phase de pitch. La phase de pitch va être une sélection de 1008. Vous tous allez passer faire les pitchs à travers vos business plans.
mais il n'y a que quelques-uns qui seront sélectionnés pour pouvoir être financés. Donc, à la suite, il y aura une deuxième étape, parce que cette première étape, c'est 3 000. Il y aura une deuxième étape de 2 000 qu'on va revoir le business plan et ils vont aussi pitcher. Ensuite, le 22 mars, on aura les résultats et le financement de 1860 parmi vous, parce qu'aujourd'hui, je vous laisse, vous êtes 5 000. On va d'abord évaluer 3 000, après 2 000, puis on donnera le résultat le 22 mars. Et la prochaine vague, ça sera le 1er mai. Je vais laisser Badra vous expliquer ce premier côté avant qu'on continue ensemble. Badra, you have the floor, please. Thank you so much, Foko. Foko Inche. Okay. And now, what I can hear for you, we program on table. Donc, October Kalukli, Tan Waro. October Kalukli, Folani, Tan Waro. Okay, Mao Shazile, Internetica. Okay, Kalamine. But coffee, Tiafuni, Ibia Mogobina, Demsonu Shazi. Ani jeñoron donc pour que ka se ka barakeni olué nous veut connecter kaminu la bara amo ko sugandile nunu internet ife ko luka se ka internet la soro ani ka se ka continuer ta barake donc ka klaka baraminu 70 ara ko lu fesse nous le faisons faire sera c'est un calé dans fin minuna donc casse pour lui don je ne minuna tara j'ai minuna soanzira pour que lui casse qu'à continuer et que à mon aban va former ma copie avec ta voix qu'il n'a pas donc na voix qu'il n'a pas car mon gros beau la main bon car mon gros la main l'icofe avec sera qu'à soanzi minou essayer baoyé pour que luka seka financement sort donc au programme nous dati octobre kalok le folo kata tan worola flana octobre kalok le tan konanton kana kle mugan sabala sabana octobre kalok le mugan woro kana décembre kalok le durula. Ok Foko, you can keep going on. OK. Donc, je vais maintenant vous expliquer la deuxième phase du tableau. Donc, comme partenaire dans ce programme, on a le TIR, bien évidemment, le PNUD, on a UBA Mali, on a la fondation UBA, on a les anciens de UBA, du TIF, les alumni, on a Impact Hub et bien sûr plein d'autres partenaires. Donc, la plateforme de candidature Youth Connect a servi. Les candidats cibles sont des personnes de la ville de Bamako qui ont la connexion et de la ville, des villes voisines. Donc, maintenant, on va faire une revue et extraire certaines candidatures incomplètes. On va faire une revue et prendre des... On va recruter des mentors francophones qui vont vous accompagner. Et on en a déjà sélectionné. Et puis, il y aura un premier niveau de diligence interne. Donc, pour ce qui est de la formation se fait avec des audios qu'on va mettre à votre disposition. À la suite de l'écoute de ces audios, vous aurez des questions à choix multiples, les QCM, que vous allez passer et à la fin, vous aurez la note. Maintenant, on aura le développement proprement du business plan pour lequel on va vous assister. Et ensuite, il faudra soumettre ce business plan pour la revue dans la plateforme. Tout ça, on vous indiquera dans TIF Connect. Et les meilleurs parmi vous qui seront assidus, comme là maintenant, qui seront assidus, qui vont suivre les formations, qui vont faire tous les exercices qu'on va leur donner, ces meilleurs seront retenus pour le pitch. Et à travers ça, on passera maintenant à la sélection. Maintenant, pour ce qui est du pitch, il y aura des points qu'on va... Vous allez faire une présentation et il y aura des points qu'on va allouer. À l'issue de cette présentation, de ce pitch, il y a 1860 Maliens qui seront retenus et financés. Maintenant, en termes de diligence interne de la fondation,
Les entrepreneurs vont soumettre leurs documents d'identification, donc créer leur entreprise, payer les impôts, bref, se mettre à jour, créer l'entreprise avec le registre de commerce et se mettre à jour. On vous donne 3 mois pour cela. Ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à créer vos entreprises pour ne pas subir des aléas d'ici la fin du programme, parce qu'on ne financera. Il n'y a que ceux qui vont réussir à créer leur compte qui vont recevoir de l'argent dans leur compte. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Il y aura aussi un contrôle et une recherche mondiale pour voir des personnes qui politiquement ne peuvent pas être élues dans ce programme ou qui sont des personnes à risque. Tout ça, il y aura des recherches à ce propos. À la suite, donc, le versement va être fait de 2 500 $ dans vos comptes à travers des comptes pré-générés. Et pour cela, UBI Mali vous accompagnera, vous aidera à respecter les procédures afin que vous ayez votre argent. Le programme finira par des rapports. Badra, you have the floor, please. Okay. Thank you so much, Foko. Bon, abora kaminye fosisan. Oye, nim programming TF Knud, anou janyoron, ou ba partenerou. Noue UBI, Bank UBI Mali, ana fondation. Aleni TF alumni oye, minu de la kateme, minu ye programming bénéficie, minu ya sor kateme. Ani Impact Hub, ani partener janyoron were minu boula. Donc, ni plateforme d'abord kunye abega se ka ñokon soro internet ikan ani minu de la ga programme ke ka teme ani fembe pour que lu ga se ka odeme bamako konnana ana krefe region na yo ko candidature do na yo ko se bon blakata u ba la je we jete min ne ke ka se ga ligue o ko fe minu me na kla ka odeme on a clair que l'on a papier au lage pour ce que c'est gagné pour que vous passez à quel demain bagay au boulot formation et calais mais qu'est-ce que dit mais nous menons demain pour que vous passez à votre baraque au boulot fenêtre demain donc au boulot formé follow au boulot calan follow pour que l'on passez à calan n'y m'a dit au ma exercice de voir la nouvelle folle ma côté si venir n'a le corps boulot abolu jabi o ñiningali nunu fakolu jabi soro pour que oba se gata ñefe semenio semeni dokongo dogogun no klala kalana ñiningalu bena kaula donc akakan oba se ka famu pour que oba se go ñiningalu jabi donc minuye moy ni ñena ma soro la no ba fo ma noti ñene noti ñena ma soro la oru le beta alabana. Donc, ayo jija, akakolu moko ochela. No bana, ni e pitié, genre, akle kago akilina wala wala. O kofè, obe na unyininga, obe puma karamogo unyena. Kwa akilina tafo, mwende lane ni akilina ta. Abe mwenye nyane, abe mwenye nafa nyane gajwe, abo wala wala. Na uklalo wala wala la, karamogo nunuwa laje, nasoro, aba akilna kain ni akilna kain u be noti dauma pour que passe ga warisho aba ga projet ke o présentation du pitch coffee noti minu me franyonga aye kala minu ke na wa fol ma formation na kla lolula question minu posera ok na nyinga li minu kero la na lu jabi kanye aleni akelinga wa akilina défend jiru nyana kala mako nyana olu bere be faranyonka kam mako ba kele ani keme shegi ani bioro ka wardo luma pour que lu ga se ku ka projet irewa donc papier minu nyini ne na ofe ako nyini ga blo bulo koro yani programming aba oye wolo 7 wa foko photo bala carnet bala ani abita oka barake nuba foma ko RCCM registre de commerce barake papier nimbo olama ila maria ka barake
avec vos papiers. Donc, quand ça va dire normalement, pour que vous le papier bien au boulot. Donc, n'avez vos papiers bien avec ta banque là, avec ta compte d'elle. No te, otiseka warsoro. No papio beta ogulo otiseka warsoro. Meseka kantugo, no papio beta ogulo otiseka warsoro. Donc, oveseka ta o papio nyinin damne depi sisa. Apre, na oklalo o papio nyininina. Waribe, mokominu tokotala. Uwe mokominu nga fait ma seconde bon c'est bien de marquer à ban au lieu de boire là depuis 6 ans mais au bolé à la ou c'est que formation suit à faut c'est que formation aussi pour que au moins au coup de demain ou basse kouka à qui n'a la ben gagné pour que casse qu'à la façon restera là donc Foucault tu peux continuer. Ok, donc, on va continuer. Je vous partage le protocole de discussion. Donc, veuillez s'il vous plaît indiquer, veuillez s'il vous plaît indiquer dans la zone de commentaires votre nom avant de pouvoir écrire. Parlez toujours avec bienséance, très courtoisement pendant les sessions. Et si vous avez des questions à poser, vous pouvez les, sentez-vous libre de les poser dans l'espace de discussion qui est sur YouTube. Mais toutes les sessions seront enregistrées en direct et vous pouvez les suivre plus tard. À la fin, dans YouTube, on va vous envoyer un lien d'évaluation. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remplir. À chaque temps après une vidéo, vous devez remplir le lien d'évaluation, le formulaire d'évaluation, afin de signifier que vous avez assisté. Ça comptera sur vos points. Donc, Badra, you have the floor. Thank you so much, Foko. Donc, koka a keto nyine ou fe, aka toko dafa le sebe, nawi nyine nga liga, aka toko dafa le sebe, aka kumani bunyani karamay, para kon nana. Ni nyine nga libe mi fe, koke, abo toko sebe, kaw jamu sebe, kan yini ngali ke, question me pose yorom nan, nou ba fo mako, box chat, abe question pose yina, o toko sebe nene, o jamu sebe nene, amba u jabi. Ya foko. Ok. Ouais. Le prochain point, c'est l'ordre du jour. Je ne pense pas que je vais traîner là, je ne vais pas traîner, on n'y a plus pas le temps. Mais toujours est-il qu'il y a une ouverture. Maintenant, Badra et moi, nous sommes en train de vous présenter la formation. Et à chaque session, il y aura un ancien qui viendra vous partager son expérience. À la fin, vous aurez ce document. On va vous envoyer ce document en français et en Bambara. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de toujours remplir le formulaire d'évaluation à la fin de chaque session. Et le formulaire, le lien ne sera valide que pendant 10 minutes. S'il vous plaît, chaque temps qu'on va finir une session, prenez le soin de remplir le lien d'évaluation qui n'aura que 10 minutes en ligne. Donc, je vais pas rapidement passer au prochain point. Badra, tu peux rapidement traduire, leur dire ça, passer cette information et puis on passe au suivant. OK. Donc, à quoi, quand la femme, antenne amène Yorokan, déjà quand même à présenter. Maintenant, programme, wakati ou wakati, mon recours d'obéna, ou bien nos expériences partagées naouye. Ou bien minouke, ou bien nos nyafoye, pour qu'on fasse un gafamou, ou qu'on a ta siramife. Ou nan klalola, ni fin bana, amen minastano, ni session bana, amen ka nyafoli minkaouye, na bana, message d'obé chouma, ou qu'on jabi, miniti tankon nana. Donc, wakati ou wakati, session me ke na banadro o fe me choma no me sai chirama abu jabi miniti tan kon nana daka donc foko keep going. OK, je vous donne dans un aperçu du programme. Vous avez la soumission qui a été faite avec les pré-vérifications et la vérification des ID.
il y a la formation qui va se passer à travers des leçons et des ressources qu'on va mettre à votre disposition. Il y aura une évaluation continue. Ça veut dire qu'à chaque temps, dans les supports qu'on va vous envoyer, il y aura des liens pour pouvoir faire des tests. On a dit les QCM. On va mettre en place un système de mentorat sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et vous allez, bien sûr, à la fin de cette formation, faire des business plans courts. Donc, vous devez savoir que en termes d'intelligence interne, la fondation doit vérifier que vous avez créé votre entreprise. Ils doivent régénérer des comptes et vous confirmer le financement. Maintenant, pour la présentation ou les pitchs, il y aura l'éligibilité, l'enregistrement, la vérification et les résultats. Oui, OK, Badra, on peut y aller rapidement. OK. Thank you, Foko. Maintenant, Barata Sirao. Nous avons une application. Donc, c'est que c'est pour le week-end. Ani, Aoudja, c'est que au week-end. Au coffre, Kalansin, au Bénia Foye, Noémi et Kalani Nafa, Degili, Degili Bau, Ani Barata Togo, Faire Seven, Ani Laïwali. Au Manaboué, non, c'est que c'est Elimino Meke, Minou Kakamake. Oui, seven l'avenir. Conti d'Aileli, Aniwara Bilali, Seventi Ali. Yanoche, Wafo Mimago Pichi, Awita Oklinao Defan Romina, Yamari Ali, Togo Seveni, Sege Segeli, Ani Jabi, Obedi Oyerola. Donc, nous, Bekera Kaban, Amesoroganani, seven. Seven on a bien aimé au boulot kaba, ami sur kata conti d'aile. Nous bique bank UBA là. Akona yina kore avec bank UBA drone là. Donc na wakati sera au bol la donia. Ani wari blali 70 a au be foye fena. Ya foko. Keep going. OK. Donc l'autre point du programme ça sera le financement et votre intégration comme ancien. You have the floor, Badra. Yeah. Au coffre, programming top na kemi. Wari mara yero seven mana ke. Omana wari soro. Abi kei ba fo amakoro do. Amakoro abi na deme do fene mokokura minu menali. Iba fo mokokura minu yau deme ni wakati yin konna no. Donc orido. Keep going on. Okay. Donc, pour ce qui est de la formation, on va voir le contenu, le business plan et l'évaluation. Le contenu, le business plan, c'est 12 modules de formation que vous verrez, que vous ferez en 4 semaines. Et puis, il y aura deux autres semaines pour votre accompagnement, votre suivi, afin que vous puissiez faire votre business plan. Vous devez savoir que la formation, c'est une auto-formation, c'est-à-dire que chacun de vous se forme seul. On met les outils à votre disposition. Et il y aura la clôture des modules après chaque semaine. Donc, vous devez être très assidu parce qu'après chaque semaine, les modules seront fermés. Pour ce qui est de business plan, on va vous former à propos du business plan. Vous allez bien évidemment développer votre business plan. On mettra les modèles à votre disposition. Et ces business plans seront soumis dans la plateforme TF Connect. Vous serez accompagné pour cela. L'évaluation vous permet de bien maîtriser les opportunités qu'on vous offre. Vous aurez des scores, c'est-à-dire on va vous noter en fonction de votre comportement, de votre assiduité, de la façon dont vous allez interagir dans toutes les plateformes. Et il y aura bien évidemment un système de notation. Badra, je vois le floor. OK. Kalan Josio Mena Nyefoye, avec Olu Nyefoye. Nous, Gafi Tan Flaribé, non. Avec Dorongu Nani Konnana. Et Aga Blau Kuna, Kouyere Degiredu. Iba Ke, Abi Ireba Nafaso. Donc, gafé datuguli, kaben dogogun labama. Dogokun o dogokun, gafé tobe daele, abo ke, nuk dogokun bana obe datugu. Obe datugu ni miye, nuk wafo mako kesyon. Nyiningalu be kaula, abo lu jabi. No bana, obe degi business plan ketugolo. Kika akilina yiriwa, ka wala wala. Aklinam bila pour que ka wala wala abi degolula aketchugo nyuma me foye
pour que abasika autake. Donc nous bana au business plan au be blakata pour que uga sege sege. Donc au mana bouina va former ma pour sege sege li. Ve garsike la croya garsike la croya li au be no au mana bouina jabi au be no garsike la croya li demain. Semaine qu'on nana abe doke tasoro otenya oboloko sebe. Ubeklaga dowere dauma garsike kelin dauma tuni abasika laje. Umana bueno jabi lubeno. Ningali minu mekola abolu jabi. Donc no bana karamoko ba laje wesoro ka joro foyi. Ni mie joro miso obe fo. Foko. Okay. Pour ce qui est des documents requis, pour ce qui est des documents requis pour la création du compte bancaire, on va vous demander deux photos d'identité, on va vous demander le registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, la carte d'identité nationale, l'attestation ou l'attestation d'identité du passeport, du permis, donc bref, une pièce officielle du Mali. Et il faudra bien sûr un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'électricité, une facture d'eau, portant le nom de l'entreprise ou le certificat de résidence. Donc voilà autant de documents qu'on va vous demander. Je vais avancer un peu plus et puis Badra reviendra dessus. Il peut vous aussi être demandé, ça c'est le cas d'une SARL, tout à l'heure c'était un établissement. Dans le cas d'une SARL, on vous demandera aussi deux photos d'identité pour ouvrir le compte. On vous demandera le registre de commerce, on vous demandera le numéro d'identification fiscale, le procès verbal de l'Assemblée générale, les statuts harmonisés, la carte d'identité et toujours le justificatif de domicile. Donc, Badra peut donc reprendre aussi pour l'entreprise individuelle et la SARL. OK, merci beaucoup, Foko. Soromarali Yamaria Seben, Rebecca Foyetan. Donc, Nyereta, Nyereka Yoro. Obeno ani ni moko jena ka yoro mi glan ka yoro mi dayele o fene beno olu document olu yamara seven ye demain ngolo jafla jago 7 nous va forma ko rccm ore jago 7 ni songo ore ni fuye numéro d'identification fiscale ani jamana jamana din seven nous va forma ko ikarnante walima takama seven o e passeport walima bolima fin bolili ya mariali seven no e permis ani duk na foni seven o yele seven o se ka gemie yele minu ba o fe nous va forma ko énergie facture o seven ou bien G7, Walima Sigiyoro 7, nous va former un certificat de résidence. Donc, Abolou Faranyokonga, minu kelentayou ka entreprise. Bon, minu ni moko jeleno, mime faroka, kungolo jani Jago 7 ni nisongonga, oye kirik makan, nous va former PV de l'Assemblée Générale. Ale ni statut emie, abe jen, abe tan notaire fe no, beke ka daouma. Donc, au manaf, jamana din seven bala, toujours, aleni duk na founi seven. No bese kake courant facturé, ou yelen seven, ani G seven, ou bien sigiyoro seven. Oui, Foko. Foko. Oui, j'ai avancé, ok. Donc, pour les exigences internes, comme on vous l'a dit, la Fondation va vérifier le ID et la preuve de résidence. Et on va vérifier que l'entreprise est effectivement créée. Ça, c'est la banque, est effectivement créée. Et on fera une reconnaissance faciale. Donc, la banque, en fait, va vous identifier. Donc, les autres documents de régulation bancaire, c'est tout ce que vous voyez là. On va vous envoyer les supports après. En vous avez le certificat de domicile, vous avez l'extrait de registre de commerce, les photos, la carte d'identité, les statuts harmonisés, le procès verbal de l'Assemblée générale, un peu toutes les pièces qu'on venait de citer, que vous verrez mieux lorsqu'on va vous donner le support.
Donc, je voudrais que Badra précise. Pour ceux qui demandent le ID, s'il vous plaît, au moment de remplir la fiche d'évaluation tout à l'heure à la fin de la vidéo, mettez à la place du ID votre adresse email, l'adresse email que vous avez utilisée pour vous enregistrer à la fondation. Donc, pour ceux qui ont un problème de ID, ne mettez pas l'ID, mettez le numéro de votre adresse email. Badra, s'il te plaît, comment parler expliquer ça avant d'expliquer ce que je viens de dire? Merci. OK. Comme nous avons dit que l'ID numéro là. Donc, il y a un papier renseigné, information qui est là, il y a un papier renseigné, il y a un email qui est là. ID placé là, il y a un email qui est là. Donc, il y a un email qui est là. Donc, il y a un donc, on a follow. Flana, agora que mi fo sisan. No e fondation mo ka sege sege liye. O baba ID sege sege. ID e mi o ka carte d'identité. O ba sege sege. Sigi yoro seven, o bo laje. Bangi konti nyana boli. Donc, no e business registration ale nyada doni. No e photo e. Donc, o luka nga sege sege. Pour que avancer à avoir ici donc fondation pour lui c'est que pour que c'est qu'au cas papier pour y en avoir cap considérer là où il est avancer à avoir ici y a foco donc warimara mara 70 au yemi ambora kaminu foye katema du kunafuni 7 jago 7 non rccmi mouloja fla statut harmonisé, Kirik Makan, Nisongo, Ani Jamana de Semen. Jamana de Semen, Obseka Gedmei, Jamana de Semen Bala, Takama Semen Bala, Walima, Bolimafen, Boli, Yamaria Semen. Donc, Olu Bebe Seka, Nyoran remplacé pour que Obseka considère. Foko. OK, donc, voici l'assistance qui va vous être apportée pendant la formation. Il y a trois systèmes. Il y a d'abord le mentorat. Il y aura des sessions de mentorat. On va vous mettre en groupe, dans des groupes WhatsApp, afin que des mentors puissent prendre soin de vous. Il y aura aussi un autre groupe de coaching, les anciens TIF, les anciens. De vous apporter leur assistance. Donc, chaque groupe participera à deux sessions de mentoring et après ça, il y aura de coaching, comme je l'ai précisé. S'ils ont des questions, ils vont poser à leur mentor et les mentors vont leur répondre. Les dates des sessions de mentoring vous seront communiquées. Donc, je reviens pour que Badra puisse expliquer. Okay. Donc, de même, nous menons à Kauma. On a fait ma boucle à mon nom demain. Donc, on veut que le groupe vienne créer. On veut le groupe qu'on a nos caramogos vienne au demain. Donc, nous, on va faire ma nom demain. Calan. On est jamais là pour moi. On veut des goulubes là. Donc, dans le clalo là, voilà ça. Dans un yako fort, mais nous vienne demain sort. Nous avons fait. Donc, à mes baraques, il y a un sous-gadil là. Mais nous avons critiqué. Donc, nous avons critiqué au Lubina Sunganzi pour que nous avons noté. Voilà ça. Dans un yakaké, ça dit dans Fraga Kauni Nyoronche, au Kakina Nyoronche. Donc, critiqué là au Kabara. Binaké, comment fait ce fesselier? Anidja terminé. Kera yema ka bara tabulu la o ka bara tabulu kan u be no re laje pour que ga se ga critique anou be fese fese li minuke donc o yoro oui foko okay.
Donc, il y aura donc, comme on vous l'a dit, une compétition de présentation de pitch. C'est-à-dire, vous allez venir devant un jury qu'on va sélectionner afin d'évaluer votre projet. Ça, c'est dans le cadre de ce programme dans lequel on vous a mis. Pour être admis à cette compétition de pitch, vous devez avoir terminé, suivi avec succès les 6 semaines de formation en remplissant le formulaire, la fiche d'évaluation qu'on va mettre à la fin de cette vidéo, comme on vous l'a dit. Pour ceux qui ont pour l'ID, on vous a dit, en remplissant la fiche d'évaluation, mettez votre adresse email. Donc, vous devez donc suivre, pour être admissible au pitch, vous devez suivre la formation de 6 semaines. Vous devez faire votre business plan court et le soumettre. Il y a des coachs et des mentors qui vont vous aider pour cela. Et vous devez aussi terminer tous vos devoirs et les tâches que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez suivre la formation dans TF Connect. Maintenant, les entrepreneurs éligibles au pitch seront intégrés au TF Connect dans le module du pitch parce qu'il y aura un module du pitch où on va vous former à pitcher. On va vous former à faire une présentation devant des personnes. Donc, il y aura des outils pour cela dans la zone téléchargeable. Dans cette zone-là, vous allez mettre votre biographie et le profil de l'entreprise et confirmer la date où vous voulez faire votre présentation. Donc, si Badra peut expliquer. OK. Donc, Kalansembara Kuchelibla, programme d'entrepreneuriat TF-UNDP, CNUD Mali, Deme Barou, Bena Obisimla, Nichevoy. Kenyera Yeminu sera ka sans soro kalansi. Donc, Okunanjalila. Donc, Kakunanja soro, Moussaka Okol. Maintenant, pour que vous puissiez ta offena, vous puissiez ta barra nuna. Donc, avant Akilina 70, quand il y a quelqu'un, Dokokun nani kakan. Avec formation minouke. Akili 7 irali, ani barra ketao. Avant le befo. Quand il y a minou ya mariala. Tali sira fe mena do TF Connecti kaya maria kono wali ubeseka ke nye blauye minu mena moko deme baranyoron donc pichi kofe abo togo sebe abe kumao yereka yana ko pichi donche abe kumao yereka na kumao yereka Ako akilina, abi dofo kan, ani awa fo abi fe ka pichi ke domino. Awa ko don sunga zi. Na ko don sunga di, abi ta wkama. Tan awa ko pichi ke. Bo yano che, bena deme. Deme bena ke, ka ketoko yira wla. Porke awa se ka fa, ketoko men. Foko, it's okay. Okay, comment va se passer la compétition de pitch? Vous allez présenter devant un jury et ce jury vous posera des questions pendant 5 minutes. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, on va vous former à pouvoir faire la présentation et vous allez présenter ça, ce sera virtuel. On va vous évaluer sur la faisabilité et le modèle de votre entreprise. Et on vous posera 5 minutes de questions par les juges qui seront sélectionnés. Badra. Yeah, Foko, merci. Maintenant, la compétition est maintenant qu'est-ce qu'on dit? Quand il y a une minute, il y a une question. Minute duro de baobolo pour que vous ka jabi udi. Donc, au kama, comme on a fait tout comme ça, on vient à demain, à quatre goûts là. Et puis, on a fait un job pour nous, mais on vient à vous connecter comme bien à mettre comme ça. On vient à vous connecter avec foyer, avec quatre goûts là. Donc, on a connecté
minu mena juge karamogo minu be olu fena be connecté u be nyini ngali ko ma abu jabi comme ana obe kuma na to mina. Okay, aniche ya foko. Ok, pour finir, comme on vous l'a dit, il y a des formulaires d'évaluation à compléter à chaque fois et le lien sera mis dans l'espace de discussion. Si vous avez eu des questions, il faut les poser dans le lien dans ce YouTube et puis nous allons vous répondre. Donc, merci d'avoir assisté. On reste encore quelques temps, le temps de répondre à vos questions. Merci. Badra. Ok, merci Foucault. Donc, comment faire tout comme ça? Quand tu m'as bien accompagné pour que tu passes pour lequel? Donc, n'ingali boitin intaile le naoblo YouTube camp. Ni menu me fait qu'un n'ingali que. Abo trois semaines, abo jam semaines, abo n'ingali que. Non, n'ingali que amo jabi. Donc, anouara kaba, aniche, akaklo majola. Amago jabi amago nyininga luko no purge kaseka ujabi do yininga like amno lujabi lidamye oniche ya foko choke. Ok, donc on vous remercie et nous allons maintenant répondre à certaines questions que vous avez posées. Donc je vais répondre, je vais relire les questions. Ceux qui ont bénéficié par le passé sont-ils éligibles? Donc ça c'est la première question pour que Badra se prépare. Ma question est la suivante. La banque UBA n'est pas dans la région du Nord. Troisième question, nous avons l'obligation d'ouverture de compte chez UBA. Peux-tu reprendre les dossiers à fournir? Ok, ça c'était pour Badra qui peut avoir accès dans le groupe WhatsApp. Je vais donc commencer à répondre aux questions. Ok, ceux qui ont été éligibles par le passé, je pense qu'ils ne sont plus éligibles. Bref, tous ceux qui ont déjà suivi la formation, qui ont été sélectionnés déjà, et qui n'ont pas reçu le financement, je ne pense pas qu'ils soient encore éligibles. On fera les précisions au cours de la formation. Donc, la banque UBA n'est pas dans le Nord. Je pense que ces problèmes vont être gérés par UBA Mali. Maintenant, est-ce que le compte doit obligatoirement être ouvert à UBA? Oui, le compte doit obligatoirement être ouvert à UBA. UBA est une banque qui est totalement en ligne. Je pense que pendant la formation, on reviendra dessus et on vous donnera des éclaircissements. Maintenant, peux-tu reprendre les dossiers à fournir? Vous aurez ce support et vous aurez accès aux dossiers à fournir. Donc, pendant la formation, on reviendra dessus plusieurs fois. Ok, Badra, you have the floor. Yeah. Ok. Ningali Minunkera, noye, est-ce que Minun de Laga programming soro? Kolu be se ka appliquer tugunia ayo luti se ka ke tugunia olu ye moko koroye wa olu bina demesie moko kura nonuma pour que olu ka fene ka se ka so oye folay. Donc flana ako doy question posée communu be norla jar koran fan fe ni bangi UBA te no donc ko luna consider le toboti bo UBA mai bena jatem neke ka precaution ta ka foya be ke to komina donc o vela som question ni ningali sabana mi ni ningali ke ko ese ke akanga consider le UBA de la awa bidaile ubiere la tidaile yoro reshila bidaile ubiere la mienyi ngalike koka dossier minuka nga fourni koko chiale ma amekla ka document chiawma ambora ka mi presente sa kla ka chiawma donc awa don directement dossier minuka nga fourni ya donc foko. Ok, je vais faire rendre. Oui, je vais faire entrer le slide pour que celui qui a posé la question sur les dossiers puisse tout de même voir pendant qu'on répond aux questions. Donc, prochaine question, moi je voudrais savoir quand est-ce qu'on doit créer un compte à UBA ou bien c'est UBA Bank qui va nous compter pour créer un compte bancaire. Je vais y répondre. Justification de domicile.
Est-ce qu'on doit faire une procuration de propriétaire? Je vais y répondre. Comment peut-on chercher les documents? Autre question, je voudrais beaucoup savoir sur comment bénéficier avec l'instabilité du réseau. Pouvons-nous nous mettre ensemble pour le même projet? Je voudrais savoir quand est-ce qu'on peut créer un compte à UBI. Ma question est pour ceux qui ont un compte à UBI. Bon, OK. Donc, je commence à répondre aux questions pour qu'on ne perde pas de temps. OK. Est-ce que c'est UBI? On vous l'a dit, vous avez 3 mois pour créer votre entreprise et ouvrir un compte. La procédure permet de faire des comptes pré-générés. Donc, vous pouvez déjà commencer à créer votre entreprise et ouvrir votre compte, ce qui restera en attente. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ont déjà un compte, ça ne pose pas de problème. Sauf que les comptes doivent être des comptes professionnels. Ça veut dire que c'est des comptes au nom de votre entreprise et non des comptes à votre nom individu. Retenez, c'est des comptes professionnels qu'on crée à UBI avec le registre de commerce. Commencez, il y a les procédures. Donc, le justificatif domicile, OK. Pour le justificatif, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez avoir une procuration, ça tient la route. Je ne sais pas comment ça se passe au Mali. Mais toujours est-il qu'il faut qu'on ait une preuve de que c'est votre domicile ou bien que l'entreprise est localisée quelque part. Pendant la formation, on reviendra sur ce genre de préoccupations, surtout à travers les coachings qu'on va vous donner. Donc, comment chercher les documents? Je n'ai pas beaucoup compris cela. Toujours est-il que la communication, la fondation va beaucoup communiquer avec vous à travers des emails. Donc, je vais permettre à Badra peut-être de reprendre, de traduire afin que je puisse prendre d'autres questions. Oui, Badra. Merci bien, Foucault. Donc, question Yiningali, Minoukera Tukuni. Donc, Manga Minoumbe, c'est ça, Aleni, Internet, c'est son possède, Yoro Minouna. Donc, Koluba Ketroji. Avito Kata, Obamil Laje. Internet bi sore romna de temps en temps wakati ni wakati konna na aba laje message minu chira oba aba ici wakati konna na ka baraka kan ko sebe parce que c'est vrai internet ko problème beto ka kiano mais wakati do la beson donc wakati minna beson ibi bara chama ke wakati pouvons-nous nous mettre ensemble? Est-ce qu'on peut faire un projet Kelena? Comment y'a fait tout comme ça? Entre les civils, c'est qu'à que Baragero c'est qu'à Gamoko Kelena taille, comme c'est qu'à Gamoko Farale Nyokonga. Mais ni Moko Farale Nyokonga, Moko Kelena veut projet d'eau. Ou Kelena veut projet défend. Ou on a un financement sur eau, Abidon, Nasro, ou Jelena veut qu'à Barake parce qu'on a ta quantité d'elle. Banque là, ou va donner sur SRL l'euro, sur franc l'euro, ou bien sur mon client ou donner. Donc, on va voir qui est en dehors là. On va dire mon client là, mais c'est qu'un projet là d'eau qui continue. Donc, minuit de là, qu'on continue dans les banques bien là. Où est-ce que l'ouvrage continuera d'aller? Avec dépend, à fois avec dépend. Avec continuer d'aller bien là, sur on va barrer le problème tout là. Maintenant, sur l'OR de Taro, on peut obliger à braquer au Tadel. Parce qu'avec un ODI, le programme est financé, il est financé dans l'OR de Taro. Donc, et concernant les gens, j'ai déjà les documents cités à savoir. Document, papier, minou, papier, 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 Naya fomi ma pichi obe. Ni pichi bana, abe soroka seleksyone. Donc, nao seleksyone la wakati mina, nao tara wakati mina, abe wele abe tani papi oye, ebiye la. Porke, wase ka kontida la oye, anika warko blali damine ka seka seka anika atelia. D'accord. Donc, Foko, for you. Oui. Donc, Badra, il faut que je dois répondre aux questions et tu essaies de traduire. Donc, pour celui qui a parlé de l'instabilité, il n'y a pas de souci pour la connexion instable. Je pense qu'il peut suivre la vidéo après. Mais l'important, c'est d'être en ligne, suivre en direct et après remplir la fiche d'évaluation parce que ça va compter pour l'obtention des notes. Donc, pour celui qui dit, est-ce qu'il a déjà un compte bancaire à UBI, est-ce qu'il est éligible?
sur le compte bancaire au nom de l'entreprise. Et je profite pour préciser que généralement, on est éligible à la fondation que lorsque l'entreprise est, si l'entreprise est créée, elle doit être à moins de 3 ans d'âge. Ça veut dire que nous prenons, la fondation prend les projets à l'étape d'idée. Et si l'entreprise est créée, et elle ne doit pas avoir plus de 3 ans d'âge. Donc, votre entreprise peut déjà être créée, il n'y a pas de souci. Elle peut déjà avoir un compte bancaire à UBA, elle est éligible. Donc, pour ceux qui ont un compte bancaire ailleurs, non, ce n'est qu'à UBA qu'on envoie de l'argent. Ce n'est pas dans, on ne peut pas vous envoyer l'argent dans un autre, dans une autre banque. Donc, veuillez créer un autre compte professionnel à UBA pour qu'on puisse vous envoyer l'argent. Parce qu'en fait, la fondation va créer les comptes pré-générés. Et ils ne peuvent pas le faire dans une autre banque. Concernant les gens qui ont des documents cités, à savoir registre de commerce, NIF, la carte d'identité, certificat, ils doivent les envoyer quand? On vous dira quand est-ce que vous pouvez envoyer les documents. Quand vous serez sur la plateforme de TF Connect, on va activer des modules qui vont vous permettre d'envoyer les documents. Il y a des plateformes, le DMS, il y a des plateformes pour cela. Non, ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise seront-ils pris en charge? Oui, tout le monde sera pris en charge. Je venais de le dire, si votre entreprise n'est pas encore créée, on vous donne 3 mois pour pouvoir créer. Parce qu'après les 6 semaines, on va continuer à vous suivre et il y a des délais. On vous a donné le chronogramme. Le programme doit être fini après un certain nombre de temps. Donc, commencez déjà à créer votre entreprise parce que le plus souvent, ce n'est pas toujours évident. Donc, Badra, essaie de traduire ce que j'ai dit et puis on passe à d'autres questions. Donc, je vais continuer. OK. Peut-on faire le pitch en Bambara? Le pitch, c'est quand? L'enquête d'évaluation sera-t-elle envoyée dans nos boîtes e-mail? Je commence par la dernière question. L'enquête d'évaluation va se faire sur YouTube. Le lien ne sera valide que pendant 10 minutes. Donc, s'il vous plaît, pour ceux qui ont suivi, vous devez remplir l'enquête d'évaluation en mettant à la place de l'idée votre compte e-mail pour qu'on puisse être sûr que vous avez suivi le webinaire et ça compte pour vos points. N'oubliez pas que vous êtes 5000 et c'est une compétition. Il n'y a que 1860, les 1860 meilleurs qui vont avoir le financement. Tout à l'heure, vous avez les critères pour le financement. Il y a le business plan, il y a le pitch et il y a votre assiduité qui vous donneront droit à des notes. Tout est automatique. La fondation sait ceux qui ont participé ou pas. Oui, les pitchs pourront être faits en Bambara. Donc, il n'y a pas de souci pour les pitchs en Bambara. Quand Badra viendra, il pourra traduire pour le Bambara. Je suis Chiaka Cho, je suis de Yoroso. Ma question est la suivante. Que doivent faire les entreprises qui n'ont pas de NIF? Comment ils vont faire? Non, tout le monde doit avoir un NIF. Parce que sans le NIF, vous ne pouvez pas créer le compte bancaire. Et retenez toujours, c'est un concours. On vous a recruté 5000 et on ne financera que 1860. Donc, on va financer les 1860. Ceux qui vont être retenus et qui finalement ne vont pas réussir à créer leur compte, à créer leur entreprise ou à ouvrir leur compte bancaire, on leur remplacera par une liste d'attente. Pour les problèmes de connexion Internet, nous allons appuyer les participants. OK, je pense que ce n'est peut-être pas une question. Et bon, je lis quand même, et les participants ayant des difficultés en fournissant des clés Internet. C'est la raison pour laquelle nous avons posé la question d'accès à Internet dans le formulaire de candidature. Bon, ça, c'est une contribution. Pourrons-nous suivre la formation conformément à des horaires adaptés à nous? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer d'idée de son projet? Oui, bien évidemment, la formation, vous l'avez en direct. Vous devez la suivre en direct et remplir le formulaire d'évaluation, de feedback, en y mettant votre adresse email. Ça permet, je vous l'ai dit plusieurs fois, ça compte pour vos notes. Maintenant, pour ce qui est de changement d'idée, il est arrivé en 6 ans que la fondation, que ce prix existe, ce concours existe, il est arrivé que des gens changent d'idée, mais le changement d'idée doit être validé par la fondation. Donc, je dis bien, le changement d'idée doit, on n'encourage pas ça, mais pour des cas de force majeure, on peut vous autoriser à changer votre idée. Pour cela, vous devez vous rapprocher de la fondation. Là, il n'y a plus de questions. Donc, je pense que je vais repasser la main à Justina. Justina, thank you. You have the floor. There is no more question. I think you have the floor, Justina. Thank you.
All right. Thank you so very much, Foko and Badra. Okay, it's been a long session. I wish we had a break. So you, wherever you are, you can just stretch a little while we dive right into the next half of the session. So we will be moving over to invite Pauline to speak to us about the train the trainer on this program, because that's a very important aspect of this TFUNDP Mali Entrepreneurship Program. So over to you, Pauline, and thank you. Thank you, Justina. Je vais parler en français à nouveau. J'espère que ça va pour tout le monde et je pense que Badra va m'aider avec la traduction en Bambara. J'espère que vous êtes toujours là et que vous nous suivez toujours et que vous êtes encore concentrés et avec nous. Alors moi, je vais vous parler en fait de l'activité de, qu'on appelle le Training of Trainers, en français la formation des formateurs, qui va faire partie en fait du programme. Donc je vais maintenant partager mon écran, comme ça je vais pouvoir guider la présentation. J'espère que vous pouvez voir. Donc, je vais faire une brève présentation donc, de l'activité de formation de formateurs que le Programme des Nations Unies pour le Développement s'est engagé à accompagner avec notre partenaire, avec la Fondation Tony Mouelou, et qui donc fera partie d'une des, ça sera une des étapes clés du programme qui permettra d'assurer une durabilité aux résultats du projet. Je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la formation de formateurs? Alors, il y a deux grandes possibilités pour mettre en place une formation de formateurs. La première possibilité, c'est de démultiplier la formation au niveau géographique. Donc là, c'est juste un exemple. C'est un exemple d'entrepreneur homme ou femme qui est originaire de la région de Mopti. Plus précisément, admettons que cette personne, cet entrepreneur qui a donc été sélectionné, là on suppose que la personne est déjà sélectionnée dans le programme, l'entrepreneur est issu d'une communauté, d'un village ou d'une commune adjacente. Et donc, une des étapes du projet pour cette personne-là, pour cet entrepreneur, c'est qu'à l'issue de la formation en ligne qu'il ou elle aura suivie, il ou elle s'engagera en fait à transmettre les acquis, les connaissances, les résultats de ce qu'il ou elle aura appris pendant cette formation en ligne, à les transmettre au sein de son village, de sa communauté, de sa commune plus largement, selon le cas, auprès de, au minimum, 5 personnes. Avec, si possible, encore une fois, on encourage vraiment une participation des femmes équitable, le plus possible. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est la redistribution de la formation au niveau communautaire et au niveau géographique. La deuxième possibilité, c'est au niveau du domaine de compétences. Donc là encore, je vais donner un exemple pour illustrer comment ça se passe. Donc vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur qui a été sélectionné par le projet et vous êtes spécialisé dans la construction de bâtiments. Donc c'est votre idée d'entreprise ou c'est l'entreprise que vous avez déjà créée, que vous allez développer à travers ce projet. Donc vous suivez la formation TEF. TEF, c'est Tony Mouelou Foundation, PNUD, c'est le nom du projet. Vous suivez cette formation en ligne et ensuite, vous allez vous-même identifier dans votre réseau au moins 5 personnes à nouveau, là aussi avec, si possible, un certain nombre de femmes et d'hommes, mais c'est souvent malheureusement les femmes qui sont minoritaires, donc on encourage ça aussi. Et donc, vous allez identifier un minimum de 5 personnes et pour délivrer à nouveau la formation que vous avez reçue en ligne grâce à des outils pédagogiques qui vont vous être partagés lors de cette formation. Donc, on va vous accompagner là-dedans, pas d'inquiétude, vous serez guidé, vous aurez des outils, du matériel qui vous permettra en fait de retransmettre les acquis de cette formation auprès de plus de personnes.
donc soit dans votre communauté, soit dans votre domaine de compétences. Alors, quels sont les principes et les objectifs de cette formation de formateurs? Alors, donc, comme je l'ai dit, après avoir complété la formation en ligne, chaque entrepreneur s'engage à former au moins 5 personnes de sa communauté ou de son domaine de compétences, soit en ligne, soit en présentiel, selon les outils disponibles, dans les 6 mois qui suivent l'accomplissement de la formation en ligne. Vous avez 6 mois après avoir terminé la formation en ligne pour prouver que vous avez transmis vos connaissances auprès de plus de jeunes entrepreneurs de votre communauté, donc de votre domaine de compétences, grâce aux outils que nous vous fournirons. Donc la formation, donc il y a les objectifs principaux, c'est que la formation formateur, elle permet évidemment donc de multiplier la transmission des connaissances auprès de plus de bénéficiaires. Elle permet également d'adapter les outils de formation au contexte et à la langue locale, parce que là, on a la chance d'avoir une traduction en Bambara, mais on est conscient que dans certaines régions du Mali, il y a d'autres langues locales qui sont parlées. Et donc, pour nous, c'est important aussi de pouvoir adapter le contenu des formations avec vous, en fait, en adaptant à la langue et en adaptant au contexte géographique également. Et enfin, c'est une activité qui permet de rendre les résultats donc, du projet plus durables en démultipliant l'impact. Je continue, après je laisserai Badra, si possible, traduire un petit résumé. Alors, au niveau de la chronologie, comment ça va se passer? Vous allez suivre la formation en ligne dès la semaine prochaine, en fait, dès le mois de novembre. Ensuite, il y aura tout le processus qu'on vient d'expliquer, le développement du plan d'affaires, etc. Et suite à ça, les entrepreneurs sélectionnés pourront délivrer la formation de formateur. Et donc là, comme je l'ai dit avant, je le répète, on accordera un délai de 6 mois aux entrepreneurs sélectionnés pour délivrer cette formation de formateur et fournir la preuve au comité de pilotage du projet, c'est-à-dire à la Fondation Tony Elumelu et nous, le PNUD. Alors, c'est ma dernière slide. Les résultats attendus et les impacts de cette activité de formation de formateurs, donc pour nous, c'est vraiment une activité importante, puisque les 3000 jeunes entrepreneurs qui seront sélectionnés pour le programme auront donc partagé les connaissances et leurs acquis grâce à des outils pédagogiques adaptés. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Je vois que la connexion n'est pas très stable. Un rapport de réalisation de la formation de formateurs sera soumis au comité de pilotage du projet, donc ce sera documenté. Et enfin, à l'issue de la formation de formateurs, on estime donc qu'on aura environ 15 000 jeunes supplémentaires, puisque 5 par jeune entrepreneur sélectionné. Donc 15 000 jeunes supplémentaires au Mali pourront bénéficier d'une formation eux aussi, en entrepreneuriat, soit dans leur communauté, soit dans leur domaine de spécialisation. Voilà, j'espère que c'était clair et on est disponible pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Thank you so much, Pauline. I would just call on Badra to give a summary because we're behind this time schedule. Badra, over to you, please. Okay. Thank you so much, Justina. So I have a problem with my laptop, with my internet here. I'm gonna use my phone to do that. Okay. Donc, ahera bora ga pnidi responsable ka kumame. Ako programu inke kunye kama chama, ka shifin chama ndeme, purke ugase kuga yere maranyata. Uka baraku yere ye, uka mogo yere o deme, purke ugase ga barake. Donc, o okumungo no, ukeleme ka fin lance, programu in lance, minube regiona. Nous avons fait un calambara au gamme au recalan. Donc, calandenga au recalan. Parce que
minu de la gasro programme isro donc olu beno bo olu de bena faranyokonga pour que ka sega crow demain wa sega programme inaba donc okama minu be regiona ku kana joro donc ubena mogosro miminu demain pour que ka sega programme famu ganye foka sa dana donc o minu mena mogo demain pour que akaseka do lu fena beka mako deme lu bena document ti ka blakana ibie la pour que ka vérifier na soro chien rere la yo mako chama deme akonnama donc programme basé le no minuka pour que mako ka seka financement soro aya foka galère fo aya foka galère de parce que pinidi ninga nkuru donc pour que mako ka se ka soro bena mako minu deme donc be jabi min konna chifim basa nuwa fuma 3000 jeunes kan yarayo donc olube nuka famiali partager anuye donia min soro uni mako warauche kura minu naneno donc au rapport orebenachi TF mukoma pour que ka ke rapport de projet au sera ka mi réaliser akon donc o konnana ni programme konnana chifi batanduru debe fara korolunka minye programme bénéficier min de la ka programme insor entrepreneuriat ka ken reyo oka yorola donc kibe bamako ibe kidale ibe tombuktu obbe bala pe concerné na la et puis ake kunye pour que ka odeme aka se ka bayra maworanyata donc ko alibi Justina, it's okay. I just summarized what she was saying, like in a little, like. Justina, your mic. Thank you so much. I hope you can hear me now. Okay, thank you so much, Badra. We will just take some question and answers that have come up in the chat box on YouTube. I would leave the floor open to Badra and Foko and Pauline to speak to the questions of the entrepreneurs. For the sake of time, because we had planned to end this session at 5 p.m., we would only take a few questions. There are some questions in the FAQs on TF Connect platform for the entrepreneurs to be able to understand and read more about how. Yes, so over to Badra, Foko, and Pauline. Thank you. Okay. I can take the first questions, Justina. Of course, yes, please. Ok, donc c'est des questions que j'ai reçues en français. Alors la première, c'est un commentaire, c'est merci. Donc merci à vous. La deuxième question, nous qui sommes en train de postuler, pouvons-nous être des formateurs? Alors non, c'est la formation des formateurs, c'est une activité qui s'adresse aux entrepreneurs sélectionnés pour faire partie du programme. Badra, je te laisse traduire ça. Pour que quelqu'un
Minu me ko postuler pour que la mentor wi. Donc ko adabo kunye généralement. I think there is some interruption in your network. You would need to sign out of one of your devices. Thank you. Is it okay? Yes, please. Okay. Donc, nous avons appliqué pour que vous puissiez être mentor ou de mes parents. Donc, on a des programmes où tu as le nom de la vie, où tu as le nom de quelqu'un. Nawakati sera, minun kangata abe folue directement. Sélectionne be kala. Donc do appliquera kaba. Problème fo itala abe laje, abe sekeseke kanye. Donc minun kangata, nolube kuma abe nyafuya abe ketuko mina kangata sira minun fe. Pour que au moins, olufe ne kaseka moko ero deme, aka ke kanye. Ya, c'est poli. Ok. Ok, merci Badra. Donc la troisième question, c'est comment allez-vous évaluer les jeunes formés? C'est une bonne question. Parce que pour nous, pour le PNUD et pour la fondation Tony Elumelu, c'est vraiment très très important de pouvoir capitaliser sur les résultats, documenter les résultats, évaluer les impacts positifs, mais aussi négatifs, et apprendre des erreurs ou des choses qui ne sont pas acquises. Donc l'évaluation, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous dans toutes les étapes du projet. Et donc, comment on va évaluer les jeunes, donc les 5 jeunes qui vont être formés par les entrepreneurs qui donc deviennent des formateurs? Et bien, en fait, on va fournir des outils d'évaluation qui vont nous permettre en fait de monitorer, d'évaluer, de chiffrer les résultats et l'impact des résultats, mais pas seulement juste après l'accomplissement de cette formation de formateur, mais aussi sur la durée. Le PNUD, en fait, s'engage sur une durée minimum d'un an, dans un premier temps, pour vraiment suivre les entrepreneurs, mais aussi les former par les formateurs sur une durée d'un an minimum. Et on aura aussi, donc ça c'est l'aspect évaluation, mais on aura aussi un gros volet communication qui a en fait déjà commencé avec notre partenaire, avec la fondation. La communication pour nous c'est très important, et on aura une équipe qui sera en place pour documenter, donner de la visibilité, donc pas seulement aux activités des entrepreneurs sélectionnés, donc, mais également aux activités des formés, des 5 formés suivants par les formateurs. Voilà. Ok. Ako, ko doy question posa kuna, ko maduro minu tara, pour que ruka se kam go formé, ni dire fait. Donc, ko luba ke to koti. Donc, ni dire représentant akumana. Évaluation we bara keno yere de kam ko jate mine ka bara ke toko ana kan atata bulu mi fe ko oyu ka bara ke ta yere de ni jorle no la yere de donc o ukum ko no benati la mo ko si we mo ko duro mo nta pour que o luka se ka mo ko garo forme donc o beno lu si o bena mino duma minu menu udeme o baseka moko wero udeme donc o minon wakati o wakati o be rapporti o be seventi ka fo bon ayenike donc o lu bo le franyo konka o capitaliser ko ke ba rapporti e o ka baro ke tabetene wa anyana bole nu bulo fene donc ko kana joro la moko minu menata minu yo moko duru takaba ni moko mena farukan ko lu formé pour ko lu fene ka se ka moko vra formé donc o baro benake et puis o rapport ou bena détaillé parce que pne di moko moko bo rapport là pour que ga blu ka chef ya pani it's okay. Merci Badra. Alors je continue. Cette formation des formateurs fait-elle partie des projets à financer?
Non, elle ne fait pas partie des projets à financer dans la mesure où la formation des formateurs, en fait, c'est une activité qui va s'adresser aux 3000 entrepreneurs sélectionnés. Donc, c'est différent du fonds de démarrage que les 1860 entrepreneurs qui seront sélectionnés à l'issue de la compétition de pitching vont recevoir. Donc, c'est deux choses différentes. Je prends les deux autres questions. Comment répondre aux évaluations? Alors, on vous accompagnera pour répondre aux évaluations. On va vous donner, l'équipe du projet va vous donner des outils, du matériel pour pouvoir évaluer vous-même, en fait, la transmission des connaissances que vous allez délivrer, faciliter donc, dans votre communauté ou dans votre domaine de compétences. Et enfin, dernière question, à partir de quel niveau de la formation pouvons-nous commencer à fournir les documents demandés? Alors, il faut vraiment comprendre qu'il y a deux grandes étapes. Quand je ne sais pas si la personne parle de la formation en ligne, dont a beaucoup parlé Foucault. La formation en ligne, c'est une chose différente. La formation des formateurs, c'est vraiment une activité à part qui s'adressera aux 3000 entrepreneurs sélectionnés. Donc, si vous parlez de la formation de formateurs, à partir de quel niveau pouvons-nous commencer à fournir les documents demandés? En fait, dès que possible, donc dès que vous savez que vous êtes sélectionné, vous pouvez déjà, et que vous avez complété la formation en ligne, bien sûr, dès que vous vous sentez prêt, et vous allez recevoir des outils pour ça, des modules, etc., pour vous-même faciliter cette formation, vous allez en fait devenir des professeurs, des enseignants de ce que vous avez vous-même appris. Et donc, dès que possible, vous pouvez commencer à documenter là-dessus. Donc, ça va passer par des petits rapports, des photos, tout un tas d'outils qu'on va bien sûr vous communiquer. Donc, il y a une période, il y a une échéance de 6 mois. On s'attend à ce que chacun fournisse des preuves que cette formation de formateur a bien eu lieu dans une durée de 6 mois, mais elle peut commencer dès que la formation en ligne est complétée. Over to you, Badra. Ok, thank you. Donc, une question que nous posons maintenant. En adamne, il faut à quoi que nous menons que mentor, formation de formateur. Car nous nous menons beaucoup vers au cala. Nous avons fait une tournée. Donc, une fois que nous nous mettons pour qu'on puisse se réformer. Donc, au bas, ça va nous avoir formé 3000 jeunes. Chiffon, 3000 jeunes entrepreneurs, or ils venaient venir me reformer. Et puis, avec qui va faire cramer. Donc, avec mes clients, abo dit me reverra, abo partager na me reverra. Donc, quand on voit les bagoulo, pour que gaïra, kaya baraké. Donc, quel problème faut il là? Quand on voit qu'on en a, vous avez le temps. Wakati bagoulo, temps bagoulo, pour que gaïra, kaosera kaké. Au café, aïe n'ingali minke, comment répondre aux évaluations? Évaluation in nemi, ou l'oubi évaluation minke, ou l'oubi pas noter l'imke, ou naoye document outil, ko bon, n'y en ken a yor la, n'y en ken a communauté la, kerata, ne sera ka, ni moko dakea, kala, ni feina. Donc, ou l'oubi document, obi évaluer en fonction de ça. N'y n'ingali mime tukoni, donc, quand vous avez un papier ou 7, quand vous avez un papier ou 7, vous avez un papier ou 7. Bon, à quoi vous êtes basé? Vous avez un programme qui est un drone, vous avez commencé à avoir un papier ou 7, vous avez un câble ou 7. Donc, à 10 ou 10, vous avez un message parce que chaque fois, un message est de chaume pour que vous avez un bien, un bien, un bien. Donc, à 10 ou 10, vous avez un drone, vous avez un avec ta diorome, on a fait nos foyers, nous et banque UBIETRE. Ok. It's up to you now. Allez. Désolée, je découvre les questions en même temps. Alors, je vais essayer de répondre. Je souhaite devenir formateur sociétaire. Il faut être sélectionné pour faire partie des 3000 entrepreneurs, ça c'est vraiment la condition, parce que c'est la formation des formateurs, c'est vraiment une activité qui va être accompagnée par le programme
le programme en question. Je souhaite devenir formateur aussi, donc je viens de répondre. Ma question reste toujours en attente. Les postulants jugés éligibles qui n'ont reçu de message après le 15 novembre comme prévu, quel serait leur sort? Ça, je pense que c'est une question pour Foucault. Comment sont sélectionnées ces personnes-là, c'est-à-dire les formeurs? Donc, comment sont sélectionnées les personnes qui vont être formées par les formateurs? En fait, on laissera les entrepreneurs sélectionner donc, le soin d'identifier eux-mêmes ou elles-mêmes les jeunes qui vont former, selon des critères. Alors, le critère de base, ça sera bien sûr l'âge, parce qu'en fait, on appliquera des critères assez similaires à ceux qu'on applique également pour la sélection des entrepreneurs. C'est un projet qui s'adresse aux jeunes en priorité. Donc, on donnera en fait tous ces critères-là le moment venu. Mais donc, il y aura un critère d'âge, il y aura un critère de genre, c'est-à-dire qu'on veillera à ce que, par exemple, un entrepreneur va sélectionner 5 personnes. Ça ne pourra pas être 5 hommes. Ça, ce n'est pas possible. Il faudra qu'il y ait un minimum de 2 femmes à chaque fois dans les personnes formées. Mais on donnera tous ces critères-là, il y aura quelques critères. Mais en tout cas, on vous laissera le soin d'identifier vous-même, ça fait partie en fait de l'activité, donc d'identifier vous-même quelles sont les personnes que vous allez former. Comment sont sélectionnées? Voilà, je viens de répondre à ça. Devons-nous commencer à monter le business plan maintenant ou bien ça se fera en équipe avec les formateurs? Alors, juste pour être clair, la formation des formateurs, c'est peut-être, pardon si ce n'est pas clair, c'est le jargon onusien. En fait, les formateurs, c'est vous, futurs entrepreneurs sélectionnés. Donc, parmi vous là, qui nous écoutez aujourd'hui, certaines personnes vont être sélectionnées, on a bien compris ça. Et donc, on va sélectionner 3000 personnes et ces 3000 personnes-là deviennent des formateurs. Donc, on ne va pas ramener des formateurs d'ailleurs. En fait, c'est vous-même qui devenez des formateurs et qui allez former à nouveau des personnes. Donc, quand j'ai dit enseignant, c'est un grand mot, mais le principe, c'est qu'en fait, les formateurs transmettent les connaissances qu'eux-mêmes, ils ont reçues. Ils dupliquent leurs connaissances. Et donc, le business plan, oui, il doit se faire avant le début de l'activité de la formation de formateurs. Comment s'est passée la sélection des 5 formateurs déjà sélectionnés? C'est vous qui faites, donc ça j'ai déjà répondu, c'est vous qui identifiez les 5 personnes que vous allez former, à qui vous allez transmettre vos connaissances. Voilà, je m'arrête là parce que la dernière question est pour Foucault. Merci. Je vais répondre à ça d'abord. Donc, comme on a un alibi formateur, caramogo, nous nous menons à la récolte. En fait, quand tu es bon, tu es là, tu es bon, tu es là. Donc, on a nous, il serait pas familier, chaman, sur le. Au bas, ça va nous avoir 3000 jeunes entrepreneurs. Donc, on est là, tu es caramogo, pour que tu es là, tu es là. Donc, il y a Jabilié. Donc, à quoi formateur, à quoi 5 formateurs, il peut choisir tout le monde. Il peut choisir tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait un peu de choses. Genre, il y a un peu de choses, mais il y a un choix. Donc, il y a un choix. Il faut qu'il y ait un peu de choses. Parce que, il y a un peu de choses. Il y a un peu de choses, critères de choses. Ani ajiko bala shi donc au lieu de avec la kachoma pour que on fasse avec cette commune sélection avec cette commune critère donc minimum critère konnana ou le beta minimum to konnana ou le donc je pense que la famille de sera là ya foko. Yes, I think the question may be for Justina, please. The person is asking that for those people who are eligible but didn't receive a message before the 15, what happened? I think it's for Justina.
Yes. Thank you so much, Foko. So all entrepreneurs who apply to this program were tested at the point of the application to ascertain the level of how they can participate and go through the learning content of the training. So for those who didn't meet a certain cutoff of the program, they were unfortunately not able to continue through the program training phase. And they were sent, communication was sent out to them to inform them to prepare better and apply again for another opportunity on the TF Connect platform. So I hope that speaks to this question. Please, Justina, just a recap. I didn't listen to you. Right. I said that for the training phase of the program, at the application stage, there were some questions. There was a test question or a series of test questions that were asked during the application stage of the program to ascertain their level of understanding and readiness for the actual training phase, which is quite rigorous. So for those who didn't make a certain cutoff, they were unfortunately not able to continue to the training phase of the program. Communications were sent out to them to prepare better and apply again in the next opportunity. So I hope that clarifies. However, if they're having challenges with this, they can just shoot us an email, but a couple of mails were sent to them. OK. Donc, Justina explique, en fait, il y a eu des critères de sélection. On a essayé d'évaluer le niveau de compréhension d'un certain nombre de personnes. Et ils n'ont pas été jugés, il n'a pas été jugé bien qu'on les retienne. Mais par contre, ils sont autorisés à réapply, donc c'est-à-dire à resoumissionner leur candidature. Et avant, ils doivent s'entraîner encore un peu plus. Donc, voilà ce que j'ai compris. Donc, ces personnes doivent s'entraîner encore un peu plus parce qu'il y a certains critères comme la compréhension, leur aptitude à pouvoir suivre la formation qui n'était pas bon. Donc, on leur propose de s'entraîner de nouveau et ils pourront soumissionner encore la prochaine fois. Je pense que Badra peut y aller s'il a mieux compris aussi. OK. Foko, merci. Donc, comme nous y est application qui est, ou ma message y sera. Donc, quand famille là, pour nous, ma message sera. Donc, quand ta finalement, ou parce que ta sera, ni n'ingali d'où bien, ou ma se colou jabi, ou bien ou ma se ka application inaba. Donc, au konana, ou rekama ou ma se kata. Bon, kobo yamaria douma, ou ba formé kanye, parce que au dail nous nous y avons essayé de former pour que on va se faire appliquer chez un retard donc on y a on va jabier au boulot casse au moins ya Foko, it's okay now. Oui, OK. Il y a un certain nombre de questions à laquelle il faut que je réponde de nouveau ou bien qu'on a oublié de répondre. Je vais les lire et Badra, je vais répondre et Badra traduira. Est-il possible d'associer une autre personne à moi? Ça, c'est la première question. Avez-vous le programme détaillé des 4 semaines de formation, date de démarrage? Y a-t-il une possibilité de regarder cette vidéo offline? Comment aurons-nous les fiches d'évaluation? Pour ceux qui ont déjà un NIF et RCM pour commerce général, mais pas une autre entreprise, peut-on utiliser la même NIF ou RCM? Je continue. Concernant les dossiers à fournir, est-ce qu'il y a un temps défini pour ça? Quels sont les horaires de la formation? Pardon, c'est toujours les mêmes 14 heures. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un NIF? Donc, j'essaie donc de répondre à cette question. Est-il possible d'associer une autre personne à moi? On vous l'a dit, il y a les établissements, les entreprises individuelles et les entreprises sociétaires, donc, et les SARL, et bien d'autres statuts d'ailleurs. Donc, il est bien possible d'associer une autre personne à vous. Vous devez savoir que ces cours sont free.
C'est-à-dire d'autres personnes peuvent bien les écouter. La preuve, on vous autorise. Vous qui êtes formés, vous serez des formateurs dans un autre cadre et vous, on va vous autoriser à former beaucoup d'autres personnes. On a mis un minimum de 5 personnes. Donc, ça veut dire que ça tient la route. D'autres personnes peuvent s'associer à vous en fonction de votre statut. Bon, avez-vous le programme détaillé des 4 semaines de formation, la date de démarrage? Oui, tout ça va être mis à votre disposition. Que ce soit sur TIEF Connect ou bien par email, il y a un programme pour tout. Y a-t-il une possibilité de regarder cette vidéo offline? Oui, vous aurez le lien de la vidéo qui pourra être téléchargée. Et quand vous téléchargez, vous pouvez la voir offline. Donc, y a-t-il possibilité? Oui. Comment aurons-nous les fiches d'évaluation? Tout de suite à la fin de cette présentation, de ce webinaire, vous aurez la fiche d'évaluation, la fiche de feedback que vous devez renseigner en mettant à la place du ID l'adresse email que vous avez utilisée pour être sélectionné. Pour ceux qui ont déjà une IF et un RSCM de commerce général, mais pour une autre entreprise, peut-on utiliser le même NIF et commerce général? L'entreprise doit être l'entreprise de la personne qui a soumissionné. Et je pense qu'en soumissionnant, vous avez déclaré une entreprise. Donc, c'est l'entreprise du projet. Donc, forcément, vous ne pouvez pas utiliser une autre entreprise pour suivre ce programme. Ça doit être l'entreprise du projet qui a été validée. Et vous devez créer votre propre entreprise. Si l'entreprise existe déjà, c'est cette entreprise qui doit avoir soumis au TIF et qui doit avoir été retenue. Et vous, le promoteur. Concernant le dossier à fournir, y a-t-il un temps défini pour cela? Dans les documents qu'on a partagés, on a dit que vous avez 3 mois pour fournir les documents. Et je vous ai indiqué tout à l'heure, vous aurez pendant la formation, la plateforme TIF, il y aura le DMS. Il y aura des instances et des plateformes où vous allez soumettre vos documents. Pour les horaires, vous serez informé progressivement. Ou Justine, je vais poser cette question à Justine, elle va pouvoir vous répondre. Est-il obligatoire d'avoir une IF? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est obligatoire d'avoir une IF, sinon vous ne pouvez pas ouvrir le compte bancaire professionnel. Oui, Badra. D'accord, thank you, Foko. Donc, on va question de nous, Jabili. On va questionner nous, Jabili, dans mon assistant. Donc, est-ce que on va marier à nous, 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 on va marier à nous. Comment on va marier à nous? Mon kele ou ka baraka yoro be na ni ta soro mo ko fara la ñokon fe kan fe na ka baraka yoro da yelo be na donc o de la wa fa entreprise individuelle yere ta ale ni entreprise SRL ini mo ko jena ka minda donc awo o ya mari ale no la comme a fora yi to mina mo ko kele me ka appliquer donc o re bna ke formateur yi ale de fenomena a to ñokon formé pour que fe na ka se ka donia so akete ko la. Donc, avez-vous le programme détaillé des 4 semaines de formation? Donc, au programme, nous avons un bébé qui a été fait. Nous avons un bébé qui a été fait. Donc, y a-t-il une possibilité de regarder cette vidéo? Alors, la vidéo est fait. Le lien est fait pour que vous puissiez la voir. Donc, il y a une fiche d'évaluation. Fiche d'évaluation, ni en clala ni na 100 au bichoma pour qu'on puisse noter. Afarako ID placé là. Moi, je me suis dit que ID pola au placé là. Avoir un email d'un euro là. Donc, avoir un email d'un avec évaluation à bas jabi. Un jabi à bas blacata. D'accord. Ko 7 ou 8 000 boulot kaba. Mais paragero ou retaro. Est-ce que vous avez le 7 qu'elle a utilisé Nina? Donc, au 7, nous avons une application qui est au paracaïro de Roy, qui est appliquée. Nous avons une application qui est au paracaïro de 7 qui est appliquée. Nous sommes obligés que tu aies 7 courants, il est mis comme une entreprise. Nous avons une application qui est mis papier qui est mis. Ok, il veut se faire un bébé qui est là. Nani ka papier to te kele na, il veut obliger ka ta papier courant là pour que vous ayez gagné entreprise taille. Donc, papier menu gang a fin. A fara go kalo sa wa bolo pour que ka papier nyine. Donc, au kalo sa ba kon nana, a veut se ka a se bon nyine ka fara nyon nga nga bla bolo koro. Donc, formation.
Justin avec Clara Jabi, à quoi avec Clara question posée, Justin Akna. Nasro, Ertan Nani Nedo, toujours. Donc, Justin Abana Jabi dans Mola. Donc, est-ce que Jabu a ni son rakibolo, ni son ni fouillé? Jabu a rakibolo. Alors, ni entreprise, bibolo, Jabu a rakibolo, pour que les gars quantités et les là. Ok. J'espère que la famille est là. D'accord, Foko, c'est ok. Ok, I think Justina have the floor. There is no more question, I think. Pauline should clarify the question about the if other people should be financed. When you say finance, you mean the people who are being trained by the trainer? Yes. Okay, I think the question is for Pauline. Okay, I can go on. Okay. Il y a une question qui revient sur la formation de formateurs. Est-ce que les 5 personnes qui vont être formées par les entrepreneurs vont également recevoir un capital d'amorçage d'entreprise? La réponse est non. Seulement les entrepreneurs sélectionnés à l'issue de la compétition vont recevoir ce capital d'amorçage. Il n'y aura pas de financement. En fait, c'est un transfert de connaissances, de compétences, mais ça ne s'accompagnera pas de capital d'amorçage pour les 5 personnes qui vont recevoir ce partage de connaissances, cette petite formation. Qui sera aussi, je voulais préciser, on vous accompagnera, bien sûr, comme je l'ai dit, dans cette formation de formateur, mais il ne s'agit pas de répéter la formation que les entrepreneurs auront reçue. On a conscience que la formation que les 3000 personnes vont recevoir en ligne, c'est une formation, comme l'a dit tout à l'heure Ifeniwa, c'est une formation vraiment masterclass. Les personnes qui vont recevoir cette formation vont vraiment être privilégiées. On ne s'attend pas à ce que ce soit une répétition de cette formation-là, parce que bien sûr, il faut des outils aussi pour faciliter cette formation. Mais on s'attend à ce que la personne qui reçoit cette formation puisse au moins partager un condensé ou quelques outils clés, une sélection d'outils clés. Et ça pourrait être une formation qui se fera sur 2 jours, par exemple, ou quelques heures étalées sur une semaine. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra décider ensemble avec l'équipe technique du projet. Voilà. J'espère avoir répondu. Okay. Okay, thank you so much, Pauline. I think we are doing very well. But I think we're doing very well on time. Well, I think Badra would like to translate what Pauline just said. I'm sorry, Badra. Please go ahead. Okay, thank you, Justina. Thank you, Justina. Okay, Pauline, ko question. Ñiningali mbiga sega quand ma be awuga ñiningali ke ko est-ce que formateur de formation formation de formateur minu mena mo ko formé ko est-ce que olubena wari soro ajabiye ayé otena wari soro mais adabo kuyé ikase ka mo ko ro demé ibena femi soro parce que comme si afu patron ya photo comme na patron ya photo comme na ni mena ked de me bayoma abuna formation mi soron konnana mina mino mena dawma pour ka ko siga ko jako yirwa ka kenre yere aka sabati ganye donc o kama akan asiga mo ko ro de me mino fena ma ko bala pour ke olu moy au moins olu ka siga fena u ba soro yirwa ani u ka siga mo ko re fena de me donc a dabo kunyode me ka fo kiyo mo ko de me o mo ko durun ko lu gana na fa sora la financement sora la non le tena financement sora il bout demain parce que kangang ou demain parce que et demain sera donc il kangang mo re demain fene. J'espère que aye famille sera. Merci.
Justina, it's okay. Okay, so like every beautiful thing, there's always, that has a beginning, there's always an end. We've come to the end of the session, and I would like to just make a few announcements. First of all, I would like to say a big and huge thank you to the CEO of the Tony Elumelu Foundation, Mrs. Ifeyinwa Ugochukwu, who welcomed us on board into this session. I would also like to say a big thank you to Pauline Denneberg, our UNDP Youth Empowerment Specialist from the Regional Service Center, who is currently on a mission in Mali and who has been your host on the aspects of the train the trainer and UNDP representation here. Thank you so much, Pauline. I would also say a big thank you to Monsieur Foko Rollins and Monsieur Badra Aliou Doumbia, who have supported in the translation of this session, and everyone from the Tony Elumelu Foundation team who have supported with questions and answers in the back end, especially the IT unit. Without further ado, I would just like to inform everyone to please sign the attendance by filling the link in the bio beneath the name of the foundation, of the program at the bottom. That's where you have TFUNDP Mali, live TFUNDP Mali Entrepreneur Information Session. Just beneath it, you see the Tony Elumelu Foundation and you see the survey link. So click on it and fill the survey link so that you sign and mark your attendance for today. The attendance of these sessions are very, very mandatory and important to us in TEF. We would like to hear your feedback so as to know how to improve the quality of the sessions we give you. So on this note, I say a huge thank you. And as I said, we're very excited to have you here. And we look forward to a pleasant journey with each one of you. Have a good evening. Please, Justina, we have to tell them why is the survey. We have to indicate to them why is the... Okay, I think you need to translate to French. I don't know why you got cut off. Yes, I was saying that the survey is right beneath the YouTube link. So when they look at the YouTube page, just scroll up, you see the survey there. And please mind you, entrepreneurs, it's important to note that the survey is only active for 15 minutes. So right after this session, the survey is going to close in 15 minutes. So please endeavor to sign it immediately. Thank you. Donc, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, remplissez le lien de feedback. Ça apparaît juste au bas de la vidéo sous le titre de Tony Elumelu Foundation. Il ne sera pas actif pour longtemps, maximum 15 minutes. S'il vous plaît, remplissez ce formulaire et vous mettez à la place de ID, vous allez mettre votre adresse email. Ça permet qu'on se rassure que vous avez assisté à la formation. Et ça compte dans vos points pour être sélectionné parmi les 1860. Badra. Okay. Donc, encore une fois, Lila, à quoi, pour trop se bien, on va signer directement. YouTube lien, tu vois là, TF, Tony Elumelu, se bien, on est rom, tu vois là. Boxing dobe no, boating dobe no, about 3-7, and he de place la boca email do no. On cabe in the room, minute tandru conarla. Coca telia, a coignora renseigne, caira cop mega formation suit. Co epi abe conte, a con notula. Parce que, oh, a cagelo, me fem oka mina me pi, programming era traboloca. Donc, uka don't gas for, we are famu, we are suit. Donc, au Kama, au bord de notre aura présence. Donc, j'espère que la famille sera là. Au bord de notre sébène, il devait y avoir un email sébène. Il faut que c'est OK. All right. Thank you so much, Foko. Thank you so much, Badra. Please endeavor to fill the form. That's your ticket to participating in this session today.
So thank you. We'll see you again next week. Next week, we're going to be having our business plan training. As you know, and how Foko and Baja have emphasized that this program is quite tight, intense, and fast. So we're going to introduce you to the business plan training. We want you to go on the CEF Connect platform and start doing your training content and your weekly assessments immediately. All right, so thank you so much, everyone, and have a pleasant week. Bye. Foko, you can translate that. Oui, donc elle nous remercie tous. Elle a dit les liens vont vous être envoyés et la formation va commencer. On vous souhaite la bienvenue à la Fondation et que tout se passe bien pour tout le monde. Donc remplissez le formulaire de feedback et à la prochaine. La semaine prochaine, ça sera le webinaire sur le business plan. Chaque semaine, vous aurez un webinaire. Merci. OK. Kaoniche ani baraji ani chao yara yefene donc unison jale no awa presence la bi bo ko dorokun dorokun presentation nam nage dorokun wara menale wana business plan avec eto ko mino gono nya for your formation mina dabna ogna kanola pour que awa se ko baro damne bo depuis 6 ans non ni adamne nene Femino akateli wakacha. Donc, pour qu'il y ait ben, il y ait laban, il y a d'amener depuis 6 ans. Dorokun nani ne va en boule formation comme nana. Donc, dorokun nani kono, dorokun, programme croix d'obé d'homme, leçon de d'homme, akoluta, obé labani mouye nini galou, obo nini galou fene jabi. Donc, au damne nakaban, depuis bi. Nous avons fait un signe, nous avons présenté un signe, nous avons fait un signe, nous avons fait un signe, nous avons information un signe, formation avons fait calendar signe, nous avons fait un 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 signe, nous avons It's okay now. Just sit down. Thank you, all of you. Foko. So, bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. See you next week. See